Samia retrouve Maud dans son salon d'esthétique pour faire un maquillage permanent qui lui permette d'être soignée sans effort le matin quand elle est pressée avec ses deux enfants. Merci. Lors de chaque séance de maquillage permanent, la séance débute par une simulation au crayon du résultat envisagé. C'est un petit cat-eyes, on va dire, alors que l'autre côté, ce côté-là, c'est plus prononcé. Celui-là, il est vraiment beau, quoi. Vraiment. Donc, j'aime beaucoup, hein. Alors, sinon aussi, je peux vous proposer quelque chose. Oui. C'est de commencer par un eyeliner dégradé. Comme ça. Et lors de la retouche, tout à fait, lors de la retouche, si ce n'est pas suffisant, on peut accentuer le dégradé et partir sur quelque chose d'un petit peu plus prononcé. Donc ça, c'est plus sage. Vous avez le temps de vous habituer. Une fois que la cliente a validé le choix, la pigmentation, c'est-à-dire le maquillage permanent, peut débuter. Allez, on y va. On va tourner la tête. Pour Samia, je vais utiliser la technique eyeliner fard à paupières dégradée, dite cat eyes, qui est plus adaptée à sa problématique. Il va s'agir de souligner et d'augmenter la profondeur de son regard avec élégance, ainsi que de créer un effet œil de biche. Voilà, c'est fini, ça vous plaît? Oui, oui, oui. Très, très bien. Ça va être sympa, hein? Tous les matins comme ça, toujours impeccable. Oui, c'est ce qu'il faut. Par la suite, cette pigmentation aura l'avantage de ne demander aucun entretien à la maison, ce qui est parfait pour Samia.